after obtaining the Grand Prize for Feature Film in Competition during this festival with Lou Over the Wall, we are very pleased and honored to welcome again the edgy and successful director from Japan, Yuasa Masaaki. Marc Agues, French specialist of Japanese anime, will moderate this masterclass. He will host on stage Yuasa Masaaki, In-Yung Choi, the chief producer at Science Saru Studio, and Yoshida Reiko, scenarist of Lou Over the Wall. And I would like to thank Ilan Nguyen, who will handle the translation for this masterclass. So please, please welcome them on stage with your applause. Comme nous l'a annoncé Clémence, la première partie en fait, de cette conférence sera centrée sur le parcours de la carrière de M. Yuasa et après nous rejoindrons Mme Yung Choi et Mme Reiko Yoshida. Vous êtes tous des amoureux d'animation et j'avais envie de préciser évidemment que M. Yuasa l'est aussi et qu'il vient à Annecy tous les ans depuis de nombreuses années pour son propre plaisir, vous l'avez peut-être déjà croisé. Il a fondé le studio Science Saru avec Eun-Yung Choi, qui est une animatrice coréenne, qui nous rejoindra après, et Reiko Yoshida, il est un scénariste de Over the Wall. L'intitulé de cette conférence est basé sur de grandes vagues, comme vous avez pu le voir l'an dernier avec Lou Over the Wall, et peut-être que vous verrez aussi de nouvelles vagues à la fin de la séance. C'est un teasing pour une exclusivité. Voilà. C'est la masterclass de M. Yuasa. Je vais donc lui laisser le plaisir de vous expliquer un petit peu sa vision de l'animation. Hi. Bonjour. Je suis Masaaki Yuasa. Aujourd'hui, je voudrais parler d'abord effectivement d'un certain nombre de choses, de la manière dont j'ai appréhendé chacun de mes travaux à ce jour et également les objectifs que j'ai voulu viser avec chacun de ces films. Quand j'étais petit, je voulais devenir animateur, ça m'intéressait beaucoup de devenir animateur. Le monde de l'animation m'intéressait plus que le monde réel. Et c'est ensuite sur des travaux comme Chibi Maloko-chan ou Kureyo Shin-chan, des séries ou des univers qui s'adressent à la famille, lorsque j'ai dû travailler à concevoir des éléments de ces univers-là, que je me suis mis à me renseigner, à chercher des choses sur le monde réel, et le monde réel m'est apparu tout un plus intéressant. J'ai eu l'occasion du coup d'apprendre comment effectivement retranscrire effectivement dans les travaux, les concepts graphiques, les travaux sur lesquels j'ai participé, comment retranscrire ce qui moi-même m'avait frappé dans la réalité comme particulièrement marquant ou intéressant. のように、すごく絵を描くことに興味があったので、僕は演出とかストーリーとかについては全く興味があまりなくて、それを勉強するような感じのにやっていくことになります。
Et donc moi, au départ, j'adorais dessiner, surtout ce qui m'intéressait, c'était vraiment le dessin. Et donc la mise en scène, la réalisation, tout ça, c'est des choses qui ne m'intéressaient pas beaucoup. Et donc c'est petit à petit que j'étais amené à m'intéresser également à ces aspects-là et à essayer d'apprendre ces aspects-là. Et dans ce processus qui m'a amené donc du travail du dessin, du travail d'animation à la mise en scène, le premier film que j'ai réalisé, c'est Mind Game. C'était pour afin d'éclairer un petit peu le parcours, leur motivation, les expériences, les traumatismes qui sont les leurs au moment où on les suit dans le film, voilà, avoir leur arrière-plan. J'ai voulu donc avoir cette partie en kaléidoscope au tout début du film et à la toute fin du film, puisque dans le courant du récit, il va y avoir entre toutes sortes effectivement d'occasions manquées, de rencontres, d'effleurements peut-être, de petits épisodes qui vont petit à petit faire ouvrir les yeux au personnage principal sur eh bien, le monde qui l'entoure. Et donc, je pense qu'entre la première fois qu'on voit la partie en kaléidoscope au début du film et la seconde fois après tout ce récit, je pense que la deuxième occurrence du kaléidoscope est plus intelligible et permet de saisir de nouveaux aspects effectivement en jeu dans le parcours des personnages. J'ai choisi cette structure parce que ce processus au cours duquel le personnage se rend compte du monde qui l'entoure, c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi moi quand j'étais étudiant, et c'est l'expérience que je souhaite faire vivre aux spectateurs du film. Le film a rencontré un accueil critique très positif, et en même temps il y a aussi eu des réactions plus négatives des gens qui n'étaient pas convaincus par le film, ils savaient ce que c'est que ce film, il n'y a pas d'histoire, et donc confronté à ces réactions un peu différentes de ce que je de ma propre perception de mon travail, j'ai été amené effectivement à me remettre en cause un petit peu et à vouloir réfléchir effectivement à d'autres manières peut-être de m'adresser de façon plus intelligible aux spectateurs. Alors ce qu'on m'a reproché qu'il n'y avait pas d'histoire dans le Mind Game, j'ai voulu au contraire travailler ensuite, juste après, sur un autre projet qui était à l'histoire, au récit très très clair, c'est Kemonozume. C'est l'histoire d'une créature monstrueuse qui est cannibale, qui mange les hommes, et un chasseur de monstres qui doit l'abattre. Je voulais avoir cette caractéristique de la bande dessinée d'autrefois au Japon, qui était qu'on ne pouvait pas s'imaginer prévoir la suite du récit. On a travaillé sur cette série sans se poser la question de savoir quelle serait la suite du récit. Donc pour nous, ce travail a reçu aussi un accueil positif, des gens ont trouvé intéressant, et d'autres ont été plus rétifs au graphisme. Le graphisme est laid, le graphisme est difficile à suivre. Et donc au niveau du récit aussi, il y avait quelque chose de tout à fait prenant dans le cours du récit, mais à propos de la fin de l'histoire, la fin du récit, c'était peut-être qu'on l'avait fixé, j'ai eu, y compris en interne de la part de l'équipe, des retours qui étaient plutôt négatifs, disaient ça c'est pas possible, une histoire ne peut pas se terminer comme ça. Donc,
Moi, bon, c'était pas très clair dans ma tête cette impossibilité, donc, et c'est en restant dans cette situation-là de peut-être pas très clarifié que je me suis attaqué à mon projet suivant. Et donc, on m'avait dit votre dessin, il est, votre dessin avait fait peur, etc. Donc, pour Kimono Zume, donc j'ai, à l'inverse, j'ai voulu avoir un dessin tout à fait très mignon, plein de mignardises. C'est une histoire sur les souvenirs, sur les mémoires. Là aussi, donc la série a trouvé un public qui s'y intéressait. Et par contre, cette fois-ci, j'ai vraiment réfléchi au récit en ayant clairement en tête dès le début la fin de ce récit. Malgré cela, lorsque le dernier épisode est diffusé, il y a eu encore des retours. Est-ce que c'est vraiment une fois qu'on va prendre ou pas? C'était toujours pas très très clair. Et ensuite, j'ai travaillé à nouveau sur une œuvre originale, la nouvelle originale. Et l'œuvre originale, ici, dans ce cas-là, c'est un roman. Et donc là aussi, la fin est déterminée dès le départ. Et ce qui est intéressant dans le roman, c'était cet aspect de monologue du personnage principal. Et moi, j'ai voulu garder cette caractéristique-là lors de la transposition en image animée. Et donc, j'ai voulu jouer sur une élocution du personnage en monologue extrêmement rapide, comme une sorte de mitraillette ou verbale. Donc ce caractère de monologue, c'est l'un des charmes du roman, du roman original, dans son élocution. Et la plupart de des interventions du narrateur sont en fait une manière de se trouver des excuses. Et donc je me disais, même si ça va très très vite, même si on ne comprend pas entièrement le sens de ce qu'il déblatère pour essayer de se trouver des excuses, ce n'est pas très grave. Donc moi j'ai toujours travaillé à des projets dans le cours du récit pour moi est intéressant, mais apparemment les gens n'étaient pas forcément convaincus par la fin. Donc là j'ai eu le temps sur ce projet-là de réfléchir effectivement au dénouement du récit. Jusqu'alors, j'avais l'habitude de travailler sur des séries, par exemple, et puis une fois arrivé à la moitié de la série, je découvrais enfin le thème qui était en jeu dans cette histoire, et donc je me disais, ah ben donc tel est le thème, et donc ça veut dire que la fin, on peut essayer d'aller dans ce sens-là. Et j'en suis venu à penser par la suite, effectivement, que toute forme de récit nécessite de porter effectivement une thématique, et donc une réflexion plus en amont. Donc j'en suis parvenu à comprendre qu'effectivement, dans l'œuvre originale, il y a un récit qui et qu'en extrayant la thématique de ce récit, eh bien, on était capable alors effectivement, de savoir par où il fallait commencer et jusqu'où il fallait aller. Et donc mes équipes aussi, pour la première fois, étaient enfin satisfaites des chutes, des fins de récit auxquelles on parvenait grâce à ça. Ensuite j'ai travaillé sur l'animation en série d'une bande dessinée que j'aime beaucoup d'un dessinateur qui s'appelle Matsumoto Taiyo. Donc on va travailler sur un roman adapté en série, et cette fois-ci il s'agissait de savoir adapter une bande dessinée à un récit graphique en animation. Donc
Et donc, lorsque chaque fois qu'on travaille sur des œuvres originales, on a toujours des commentaires, on dit là, ce que vous avez fait ne colle pas avec l'original, ou là, ce que vous avez fait exactement comme l'original, on reçoit toutes sortes d'avis de cette nature-là. Je crois que le problème, c'est que si on s'attache à une adaptation qui ne porte que sur la surface, le niveau le plus superficiel des choses, de toute façon, on est voué à l'échec. Je pense que les œuvres originales sont tellement dessinées, en fait, ne trouvent leur forme achevée qu'à l'intérieur du lecteur, une fois qu'il a fini de lire le récit. Pour moi, le plus important, lorsque je m'attache à une adaptation, donc à partir de l'œuvre originale, c'est que ce soit un roman ou une bande dessinée, c'est mon propre ressenti en tant que lecteur, et je m'attaque à l'adaptation animée dans le respect, dans l'idée effectivement d'avancer dans le sens de mon propre ressenti en tant que lecteur. L'un des défis sur cette bande dessinée, enfin sur l'adaptation de cette bande dessinée, ça a été effectivement de faire apparaître à l'écran les pages mêmes de la bande dessinée, dans le découpage de la bande. それをタイミングで調節しても、テレビの画面っていつも同じなので、ちょっと違う意味になってしまう。Et donc dans la bande dessinée, il y a des cases qui sont petites, des grandes, des cases de différentes formes, etc. Et on peut, quand on adapte dans l'animation, on peut jouer sur le timing, on peut rallonger ou raccourcir, mais de toute façon, on est voué effectivement à quelque chose de par nature différent en termes de graphisme, une fois qu'on joue dans un cadre qui est celui de l'écran. ページをそのまま出して、小さいコマは小さいコマの意味のまま出して、大きいコマは大きいコマのまま出すというふうな意味付けをしながらアニメーション化しました。Donc, j'ai vu, on a travaillé sur les pages, les doubles pages de la bande dessinée. L'une des choses qu'on a faites, c'est qu'on a travaillé à modifier les choses lorsqu'il fallait malgré tout respecter des règles de chant contre chant, etc. Donc, de direction, on a modifié un peu la direction, mais pour le reste, on est resté dans le découpage de la bande dessinée, dans le respect de la signification, du sens même en jeu dans la taille des cases. Lorsqu'il y a des petites cases en BD, elles sont petites à l'écran également. Et donc, en s'inscrivant donc, dans la lignée de la signification. Induite par le découpage de l'auteur. Donc, par la suite, il y a eu différents projets, il y a eu notamment Kick Heart, un court-métrage que l'on a travaillé, qui a été présenté ici, et puis le travail sur Lou Over the Wall, mais qui a été fait donc, avec les deux autres intervenantes aujourd'hui, donc on en parlera quand elles nous auront rejoints. Nighting Short Open Girl, 四畳半神話体験と同じ作家ですの で同じようなパラレルワールドのような話であるので同じスタイルでアニメーション化しました。Et donc le film suivant c'est donc Night is Short Open Girl qui est donc basé sur l'œuvre du même auteur que Tatami Galaxy, la série que j'ai réalisée précédemment. Et donc on est resté dans le même style graphique pour adapter cet univers en métrage. この作品の挑戦としては一つの短編がこの作品のタイトルで、あと三つの短編が一緒に発売されていたんですけど、でもタイトルに合わせて四つの話を一つにまとめるというふうな挑戦を行います。Le défi pour moi sur ce projet, c'est que l'œuvre originale, la nouvelle, il y avait donc le titre du livre, c'était Night is Short Open Girl en japonais, et il y avait une nouvelle qui portait ce titre-là et trois autres récits qui n'avaient rien à voir avec ce titre-là. Moi, pour moi, le défi, ça a été effectivement donc, d'adapter ce récit-là, mais également d'intégrer les trois autres récits qui portaient sur le même personnage, mais sans de moindre rapport effectivement avec ce premier récit, dans l'adaptation animée. Ensuite, j'ai travaillé sur Devilman Cry. Donc, j'ai modifié certains éléments en jeu dans la bande dessinée. Dans la bande dessinée, il y a un groupe des loupards japonais, des fortes têtes. On les a transformés en un groupe de rappeurs voilà, qui viennent chercher une oise personnage. Et puis, donc, la fin du récit étant claire dès le départ, pour nous, il s'agissait effectivement, en termes d'enjeu, de dépeindre le mouvement, y compris le mouvement intérieur des différents personnages, moins dans la logique qui est celle de la bande dessinée pour garçons, le shonen.
de l'époque, ce genre de bande dessinée donc héroïque, que dans la logique qui est celle plutôt des feuilletons télévisés, des séries télévisées en prise de forêt. Est-ce que ça va pour le... Peut-être vous parler un petit peu de l'approche par rapport au sexe et à la violence sur Dylan Mann, par rapport à l'œuvre originelle et... Le sexe et la violence, c'est ça? Oui, mais je sais que monsieur aime dépeindre le sexe et la violence de manière très singulière. Donc, non, la police. Les désirs humains. Aussi extrêmes que soit-il. Et les désirs humains. そうですね。セックスを書きたいというのはもともとあって、まあ、普通にあることは普通に書きたいっていう、食べることと、寝ることと。 欲みたいなのは表現したいと思っていたんですけど、まあ見る人によってはそれが不快だったりすることもあるので、作品によって控えたりはしますけど、で、見る場は、まあ、とにかく大変な話になるので、そういう作品にはやっぱり、人間のことをちゃんと書いておかないと、そこへ到達できないというふうに思って、そうしました。 Alors moi, bien sûr, oui, c'est le sexe avant tout, c'est un motif que j'aime bien dépeindre, mais j'aime bien dépeindre un certain nombre d'activités qui sont des activités normales dans la vie ordinaire, le fait de manger, le fait de dormir, il y a aussi un certain nombre d'aspects liés au désir qui sont des désirs. Je sais que, selon les spectateurs, il y en a qui peuvent trouver ça désagréable, donc ça m'est arrivé par le passé aussi d'éviter ce type de motif. Mais là, avec David Malgravibi, je savais que, sachant quel est le cours du récit et dans quelle direction terrible il avance, c'est vrai qu'on avait besoin, qu'on ne pouvait pas éviter de dépeindre un certain nombre de ces désirs, de ces pulsions humaines profondes pour pouvoir avancer dans ce sens. Netflix, Et donc, comme le projet était diffusé sur Netflix, donc sur l'Internet, on avait bien sûr plus de facilité, plus de liberté peut-être de représentation. Et moi, je me suis fixé d'emblée effectivement une ligne directrice, savoir jusqu'où je voulais aller effectivement dans ces représentations, et je ne suis pas allé au-delà. Très bien. Et j'avais une petite question aussi par rapport, je pense que c'est ce qui fait aussi le succès de Monsieur Yuasa en Occident. Au-delà des thématiques très diverses abordées dans les œuvres de Monsieur Yuasa, c'est son style d'animation, son style graphique, qui est, comme on pourrait le dire ici, off-modèle, c'est-à-dire que M. Yuasa ne respecte pas forcément les dessins, les personnages sont toujours construits de la même manière, il a une certaine grande liberté, j'aimerais juste savoir est-ce qu'il peut nous expliquer un peu son approche de l'animation d'un point de vue graphique, et les émotions peut-être qu'il souhaite faire passer en prison comme ça, l'animation, n'étant pas aussi corrigé sur le design. まあ、作品によってアプローチは変えてるつもりなんですけど、 2D のアニメーションって作るゆえに、なんか 2D で作る意味みたいな絵で表現したいと思っていて、リアルな人形みたいのが 動いているのはそれは CG でやればいいと思っているので、子供が描いたい絵が好きなんですけど、小さい子が描いたい絵は、自分の好きなものを大きく描くんですね。まあ、人間より鼻の方が好きなら鼻を大きく描いたりとか、お父さんはちっちゃく描いたりとか、好きなものを大きく描いたり、好きじゃないものを小さく描いたりするんですけど、描いてるものが何を意図して描かれている、 Alors bien sûr, c'est de l'approche graphique varie selon les projets, hein, donc également, mais à partir du moment où on travaille en animation plane, en animation dessinée 2D, il y a une signification, un sens graphique à choisir ce procédé. Et pour moi, c'est vraiment ça que je veux exprimer, aller dans le sens de ce qu'on peut faire parce qu'on est dans des scènes. Et donc, s'il s'agit d'animer des figurines ou des marionnettes extrêmement réalistes, effectivement, on peut faire ça en 3D, infographique, on peut laisser ça à cette technique-là. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, les dessins d'enfants. Vous savez, c'est
dessins plus naturalistes, où par contre il y a cette liberté où les enfants dessinent en plus grand les choses, les plus grandes les choses qui les intéressent le plus, qui les aiment le plus, les plus petites les choses qui sont moins importantes. Donc il y a voilà, la fleur pourrait être plus grande et le papa sera dessiné plus petit, on ne sait pas. En tout cas, moi ce qui m'intéresse, c'est voilà, le dessin, parce que c'est du dessin, il transmet quelque chose de l'émotion qui est celle de celui qui l'a tracé. Et donc, moi ce qui m'intéresse en animation, c'est que le dessin porte d'une certaine manière cette forme d'émotion-là. Voilà. Et donc c'est dans ce souci-là que je m'attache à la composition de l'écran, à la composition scénique, composition d'image. Je pense qu'il est temps d'inviter. Oui, je vais vous présenter Union-san, et je vais vous présenter. Union-chai et Reiko Yoshida. Bonjour à tous, je suis Yoshida Reiko, j'ai écrit le scénario du film Loup of the World. C'est la première fois que je viens au festival d'Annecy, et donc j'ai pu découvrir à la fois comment dans cette vieille ville, bien de nouvelles formes d'animation voient le jour chaque année. Je suis très heureuse de pouvoir ainsi participer à ce festival cette année. Je vous remercie. Je suis très heureuse d'être à nouveau à Annecy cette année. L'an dernier, donc avec Loup of the World, on a eu un prix. Et donc, c'est vraiment un très grand plaisir d'être à nouveau ici. On était déjà l'an dernier. Je crois que pour pouvoir venir à Annecy chaque année, il faut qu'on puisse produire un film chaque année. Et donc aujourd'hui, je crois que l'objet de cette place était bien sûr de couvrir le travail de M. Yuasa, également d'aborder la question de notre prochain projet. Voilà. Merci d'avance. Alors, pour vous dire un mot de ma découverte du travail de Madame Yoshida, moi j'ai découvert son travail à travers cette série qui s'appelle Kasmin, une série déjà assez ancienne, où il était, je crois, dans son parcours, sa première responsabilité en tant que directrice d'écriture, donc sur l'ensemble de la série. Aujourd'hui, c'est une scénariste qui est très populaire, qui a travaillé sur beaucoup de films qui ont un très grand succès, donc elle est très demandée. Mais dès cette époque, je me souviens effectivement avoir entendu parler de son travail et de son talent en tant que scénariste, et puis il m'arrivait aussi de lire certains scénarios et de trouver par moi-même en tant que lecteur cet intérêt. J'avais envie vraiment, si un jour la situation permettait, de travailler avec elle déjà depuis il y a bien des années. もともとは、バンパイアの話だったんですけど、吉田さんが入られて、もっと可愛らしいキャラクターがいいんじゃないかってことで、人魚に。
っと人魚に変わりました。あのそれまでは怖い部分と可愛い部分と両方合わせ持ったキャラというふうに考えていたんですが、まあ、種族的に怖い部分と可愛い部分があって、主人公自体はあの可愛いっていうふうなことに集約したキャラクターにしました。それと同時に僕は水を使ったあのアクションを描きたいと思っていたので、あの人魚だと好都合だと。Au départ, pour le, donc on s'est retrouvé sur ce projet de loup Over the Wall. Au départ, c'était une histoire de vampire avec des personnages assez effrayants. Madame Yoshida nous a suggéré qu'il vaudrait mieux que ce soit des personnages un petit peu plus mignons quand même. Donc, et c'est ce qui nous a amené plutôt vers le motif de la sirène. Et donc, avec aussi une dualité, moi j'avais en tête des personnages qui soient à la fois effrayants et à la fois peut-être un petit peu comme ça plaisants graphiquement. On a choisi effectivement de jouer sur cette dualité, en tout cas d'avoir certains personnages très effrayants, d'autres plus attractifs, plus mignards peut-être, plus mignons. C'est le cas des personnages principaux. Et moi je voulais travailler aussi avec sur le motif des scènes d'action qui se déroulent dans le milieu aquatique, dans l'eau. Et donc pour moi, le fait d'intégrer le motif de la sirène servait bien cette envie que j'avais d'écrire des scènes d'action dans l'eau. そこからこの作品で一番その何を描くか、そのテーマ、それは何かなと思った時に、相入れないものが出会ってしまって、でもその出会ってしまったらお互いに受け入れてしまって、でもその存在が違うものゆえに周りからいろんな横やりが入って分かれるしかなくなってしまう。その何でしょう、ある種好きっていう言葉で結びついていたキャラクターたちが、その周囲によってそれを失っていくけれども、最後にはそれを貫くっていうことなのかなと思ったので、その癒やしさが伝えた原因がもっと魅力的に、そして分かりやすくストーリーにすればいいかを考えるのが、ルーの場合は私の一番の仕事でした。Alors sur le Loup Over the Wall, M. Yuasa avait d'abord écrit effectivement un texte, une proposition, une œuvre originale, disons, pour Loup. Et pour moi, la question qui s'est posée en premier lorsque j'ai lu ce texte, c'était de savoir qu'est-ce qui était le plus important en termes de représentation dans ce projet. Et je me suis parvenu à la conclusion qu'il s'agissait effectivement de l'histoire de deux personnages que tout sépare, qui a priori ne peuvent rien partager, mais qui vont se rencontrer, qui vont s'accepter l'un l'autre. Seulement, voilà, en raison de leurs différences, de ce qui les sépare, leur entourage, de part et d'autre, va tout faire pour les séparer. Ils vont se séparer, et alors même qu'une forme d'affection les relie, ils vont perdre effectivement ce lien mutuel qu'ils avaient réussi à établir en s'acceptant l'un l'autre. Mais au final, ils vont finalement être fidèles à ce lien qui les relie. Ils vont aller au bout de ce lien. Et donc voilà, à partir de l'œuvre originale de monsieur, écrite par M. Yuasa, moi mon travail c'était effectivement d'essayer de trouver de quelle manière en faire un récit qui soit à la fois peut-être le plus beau, le plus compréhensible, le plus intelligible et simple possible. ちゃんと構築できる方に聞きながら作っていきたいと思いながら、どうしても聞けないところがあったりとか、でそのためにこうしたいって言うと、あ、それではこういうストーリーになりますねあ、じゃあこうしてて、あ、じゃあそれはこういうストーリーになりますねってことを、いつもまとめてくれるような形で2人だけじゃなくて何人もで話し合いながら作っていたので、ストーリーが変わるために吉田さんが、じゃあこれはこういうことですねっていうのをまとめながら、je vous ai dit cela, moi je suis pas très sûr de moi sur les questions de récit, de narration, et donc maintenant j'estime peut-être avoir un petit peu plus d'expérience de ce côté-là également, mais ce que nous a apporté Madame Yoshida en tant que scénariste, c'est vraiment effectivement son talent pour construire, reconstruire les récits, et on a beaucoup tenu compte effectivement de ses avis. Alors, dans ce que moi je voulais faire, il y a des moments où je ne voulais pas aller dans le sens qu'elle proposait, je lui disais ouais, non, ça j'ai pas envie d'entendre votre avis, et donc à chaque fois que j'avais comme ça des choses auxquelles je me crochais,
on a toujours bénéficié de ces réactions qui consistaient à dire, eh bien, si vous, vous intégrez ce motif-ci, l'histoire prendra cette tournure-là, et prendra ce sens-là. Et donc à chaque fois, dans ces retours, elle nous permettait, elle éclairait la nature des modifications sur le récit des différents motifs que l'on souhaitait intégrer. Et donc, c'est un travail qu'on a mené effectivement à plusieurs, hein, au cours de discussions comme ça, où à chaque étape, Mme Justin nous a fait bénéficier effectivement de son savoir-faire et de son talent en termes de narration. J'ai une petite question pour Mme Yoshida. On peut voir à l'écran depuis quelques minutes des images board. Il me semble que M. Iwasar en dessine beaucoup, mais vraiment beaucoup, pour chacun de ses projets. Est-ce que ce sont des éléments que vous voyez très tôt, avant même de commencer à vraiment rentrer dans le travail du scénario? Parce qu'on imagine que c'est assez inhabituel au Japon d'avoir autant de dessins très tôt dans la création. Il y a des dessins qui sont en même temps très rough et du coup assez libres, pas définitifs, et donc ils laissent de la place pour le dialogue et l'affichage. Oui, comme le monsieur Yassa l'évoquait, donc au moment de la série Kasmin, donc sur lequel on a travaillé l'un à l'autre, monsieur Yassa avait déjà énormément d'image board. Moi j'avais vu ça et j'avais été très impressionné effectivement de voir. Il y avait quelque chose d'unique qui était là, à la fois dans le travail de la couleur par exemple, il y avait vraiment quelque chose de très stimulant. Et donc pour Lou, qui est le premier projet sur lequel on s'est retrouvé frontalement ensemble, monsieur Yassa là aussi effectivement a travaillé énormément de ces fragments d'images qui sont là aussi toujours très stimulants, qui stimulent l'imagination.